Do you believe in life on other planets? Oh yes, there's not much question at all. But there's life throughout the universe. We're not alone in the universe at all. You're convinced that we're not alone in the universe? Oh, I know for sure we're not alone in the universe. Statistically, it's a certainty there are hugely advanced civilizations, intelligences, life forms out there. I believe they're so advanced that they're even doing interstellar travel. I believe it's possible they came here. I think the public is ready to know if anyone has visited us. En septembre 1994, plus de 60 enfants de cette école de la banlieue d'Harare, au Zimbabwe, furent témoins de l'atterrissage de plusieurs objets et virent deux êtres en sortir. Un peu plus de deux mois après, John et Dominique s'étaient rendus sur place afin de travailler avec les enfants, leurs parents et les professeurs encore sous le choc. John, spécialiste notamment en psychiatrie infantile, avait longuement questionné les enfants. On a vu quelque chose argenté. Alors, on a couru très vite jusqu'à la cabane. Et on a vu un truc argenté et un homme debout à côté. Ça faisait quoi quand il te regardait? J'ai eu peur. Ça faisait peur? Qu'est-ce qu'il y avait qui faisait peur? J'ai eu peur parce que je n'avais jamais vu une personne comme ça avant. Tu as vu les yeux? Ils ressemblaient à quoi? Ils étaient comme ça. Où était la partie pointue? La partie pointue était là ou ici? Là-haut. Là-haut. Que ressentais-tu quand tu regardais ses yeux? Ça faisait peur. Peur? Pourquoi? Qu'est-ce qui te faisait peur? Les yeux semblaient malfaisants. Comme s'ils voulaient venir nous prendre. Comme s'il voulait venir te prendre. C'est le sentiment que tu as eu? Qu'il voulait que vous alliez avec lui? Tu avais le sentiment que tu voulais aller avec lui? Non. Quelle a été ta réaction quand tu as senti qu'il voulait que tu ailles avec lui? J'ai juste avancé et j'ai commencé à pleurer. Ils sont arrivés ici en courant et tellement paniqués. Même si on l'avait voulu, jamais on n'aurait réussi à les faire courir tous ensemble comme ça. On a essayé je ne sais combien de fois. Ils ont jailli ici comme s'ils avaient vu un serpent. On était en réunion de professeurs, on les a entendus hurler et ils étaient là. Les enfants ne peuvent pas inventer tout ça. Les deux couraient. Un était dans les arbres et l'autre courait autour du vaisseau. Parce qu'il y avait aussi des arbres là. Les yeux étaient plus pointus vers l'intérieur du visage. Esdalen, un petit village de quelques centaines d'habitants, perdu au milieu de la campagne norvégienne. Ce village, cerné par les montagnes, intrigue les scientifiques de toute l'Europe. Depuis des années, les habitants sont témoins d'étranges apparitions. Beaucoup de gens voient des ovnis ici? Oui, les gens rapportent une vingtaine d'observations chaque année. They report to me about 20 a year.
La montagne sur la droite là-bas, c'est ici qu'il y a beaucoup d'observations. Quand il se produit quelque chose, la caméra se déclenche pour une durée de 12 petites secondes. The observatory shoots pictures automatically every minute and puts them on the internet. Many amazing shots have been captured. After an automatic video recording system was put up, 1 year of waiting passed before the Hestalen phenomenon is caught on camera. Zooming in and slowing down the film, something really astonishing is revealed. A smaller second light seems to appear from underneath, joining the main light. Is something collected by the light? I have 67 observations. Yes, 67 observations. Il a fait 67 observations. Le plus impressionnant, ça s'est passé le 20 janvier 1986. Lorsque l'on a atteint la crête, on a vu trois grandes lumières sur le sol. Il y en a une qui a bougé vers la gauche, elle a tourné autour des autres. Elle est montée et descendue, et puis celle du milieu a bougé à son tour. On n'est pas resté, on a regagné nos maisons car on avait peur. J'ai vu une lumière venant du sud et se dirigeant vers le nord. Vous vous souvenez de sa forme et de sa couleur? Il y avait deux lumières au-dessus et deux en dessous. Il y avait deux feux aussi à l'avant et la lumière venait de l'intérieur. Well, in this area. Dans cette zone. Several observation units. On the fourth night of the survey, the phenomenon decides to show up. Å fy fader! Jeg filmer det, jeg har det på tape! Jeg har det her! Å dæve! Hva ser jeg? I have seen a snake out there, 6, 7, 8 feet long. It is rubbery because it has internal waves in it, and it follows you for a rather long period of time. The more you fly in space, the more you see an incredible amount of things out there, and that sort of brings to you really a certainty that that other living creatures are out there. Some. Something that you've never seen before. And when I finally got to go out the door, that was something different too. And I figured that would never happen without the preparation we had, training the team. And so I'd like. Années, un habitant de Miami nommé Audrey Haim se trouva au centre d'une affaire considérée comme le cas de contact le plus documenté de toute l'histoire. Au départ, les apparitions commencèrent à se produire à quelque distance de son domicile,
mais peu de temps après, l'engin se mit à apparaître au-dessus de sa cour intérieure. Cet étonnant film vidéo présente un disque brillant d'environ 3 mètres de diamètre en vol stationnaire à quelques mètres de sa maison. En un clin d'œil, l'engin disparut. Lorsqu'on passe le film au ralenti, on peut voir clairement l'engin se dématérialiser image par image. L'avion qui a filmé a fait un décollage en urgence avec 3 autres appareils pour intercepter un appareil inconnu volant à très grande vitesse qu'on voit ici sous la forme d'un grand objet cylindrique. À l'approche des avions russes, l'OVNI accélère soudain et disparaît. Cet engin en forme de cigare fut saisi sur pellicule alors qu'il stationnait au-dessus de Rhode Island en 1967. Un ovni similaire de forme allongée fut filmé en vidéo en 1980 dans le ciel de la ville de Hagen en Allemagne. Ces images d'un ovni en forme de cigare furent prises en Californie. Cet ovni fut photographié dans l'orbite de la Terre. Des foules s'assemblèrent à Krasnodar en Russie pour admirer cet ovni lumineux en forme de cigare. Think the impact will be on the world when it is finally mainstream news that there are alien beings that live outside this planet? Well, I think at this point it's probably ho-hum, so what's new? I think that certainly in the United States there's well over 70% of the people now accept this as fact, although they may not, they do not know the all the correct story. They do know that there has been or accept the fact that there has been visitation and that there's UFOs in the skies all the time that are very likely alien craft. Now, not all of them are. I suspect some of them are homegrown. I suspect that in the last 60 years or so that there has been some back engineering and the creation of this type of equipment, but it's not nearly as sophisticated yet as what the apparent visitors are. So, as part of this, as part of you knowing about this, and also going public with it, are you worried for your own safety with this kind of stuff, or are you convinced that the I think those days are gone. That used to be a concern among the people on the inside, but I don't think they're knocking anybody off for that anymore, or doing drastic things to them. And what are we talking, what do they look like? Are we talking like, you know, the traditional sort of... you've seen some of the pictures that I know of, some of them are these little people with strange, that look strange to us. As far as I know from my contacts that have had contact, that's pretty accurate.这种情况还是头一回碰到。这是今年6月30号在新疆发现不明飞行物的一段网络视频，同样就在昨天晚上8:45左右，杭州萧山国际机场上空也发现了不明飞行物，导致机场封锁一个小时，直到昨天晚上9:45才恢复正常。据我们空中管制方部门的这个通报，专家推测有可能是飞机的反光。情况还是头一回碰到。这是今年6月30号在新疆发现不明飞行物的一段网络视频，同样就在昨天晚上8:45左右，杭州萧山国际机场上空也发现了不明飞行物。
された津波の映像、南相馬市の津波の映像です。津波がかなりのスピード、岸壁に今打ち付けられて、そしてかなりのスピードでこちらに押し寄せてきます。海岸にかなりのスピードで。 This is from our camera reporter in Miyagi. And it looks like the tsunami has engulfed several cities in Miyagi Prefecture. Live footage of Miyagi as the tsunami has struck the area, obviously engulfing farms, homes alongside the river. In Sendai City, this is.Revising the quake upwards to the magnitude of 8.4, one of the largest earthquakes since the 1995 earthquake that hit the greater Hanshin area. The quake upwards to the magnitude of 8.4, one of the largest earthquakes since the 1995 earthquake that hit the greater Hanshin area. Ante las declaraciones de Stephen Hawking en abril del 2010 respecto a que contactar con seres extraterrestres podría ser peligroso, Paul Hellyer, el exministro de Defensa de Canadá, señaló que Hawking miente y que el gobierno de Stephen, el del Reino Unido y los gobiernos de otros países ya han tenido contacto con otras inteligencias y que esta comunicación ha contribuido positivamente al avance tecnológico de la humanidad.Some of the people involved in what they call the black operations, the reverse engineering of the technology that came from the crashes and other contact with the extraterrestrials is so interesting and so secret that certain elements of the United States government wanted to keep it secret even from their political leaders. And they've been working underground foryears and years and years, and heaven only knows what they've accomplished, but in my opinion, it would be a very great deal. Duró en el mismo sitio durante 20 minutos.Luego bajó un poco a la altura de los cables de la luz, encima de algunos edificios. Según William Chávez, el OVNI...
当时还有军机飞过，景象令人捏把冷汗。闪光透过后面的交织在夜空，光是闪电出现的次数多得吓人，在十秒钟之内就可以看到一二三四，高达四次的闪电，一分钟至少就多达十几次。不止如此。